Oui, c'est ici que je me bats. Ah. Oh, j'ai même une nouvelle coiffure sur la tête. Mon argent, pardon. Ouais, Asso. Je n'ai pas l'argent maintenant. Hey, God. Donc maintenant, tu n'es plus la coco. C'est Asso. Tu viens de coiffer. Tu parles mon argent. Aujourd'hui, tu dis Asso. C'est plus la coco. Vous ne pouvez pas les rendez-vous. C'est la coco. C'est comment la coco? C'est aujourd'hui mon argent. Je n'ai pas l'argent. J'avais l'argent. Je suis allée faire. Je fais comment? Quand tu es encore déménagé, et moi, je fais comment? Si on me renvoie, je fais comment? Tu en sais quoi? Depuis, tu ne passes même plus saluer. C'est parce que je suis occupée ici. Ah, tu es occupée qu'elle est qui? Même passer saluer. Oui, je viendrai après-demain. Je n'ai pas ça. Comment? Pourquoi après-demain? C'est le temps de me battre pour chercher l'argent là. Ouais, tu te bats déjà. Tu vends, pardon. Si tu as installé là depuis, c'est que tu vends. Je veux mon argent. C'est la raison pour laquelle je vais sortir du marché, acheter les... Mon argent, je veux mon argent aujourd'hui ou demain. À quelle heure? Ok, tu vas bien. J'attends mon argent demain. Je veux même pas que ça saute dans l'après-midi. 15 heures, je viens où tu viens? Ok. Bonne journée. Je suis en train de supplier comme un enfant. Les racines que tu m'avais fait, c'était même bien, ça me convenait. Tu auras. Il y a un. Les gens sont là en train de souffrir comme ça, là. Je ne vois pas. Parce que la vie est facile. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé comment? Mais parce que souvent, tu fais bouffe là, tu passes et manges. Oh, c'est parce que l'amour que je ressens pour toi, non. De jours en jours, non, ça évolue, ça grandit. Wow. Tu m'aimes vraiment? Oui. Tu m'aimes? Oui. Ok. Moi aussi, je t'aime. Voilà, j'ai bien pensé. Je crois que le fonds de commerce que tu demandais là, je vais te donner ça demain. Vrai. Oui, je vais te donner ça demain. Vrai, vrai, bébé. Sérieux, bébé. C'est très sérieux. Vrai, vrai. Hé, hey, bébé. Et demain, je vais vider mon compte. Je vide mon compte de tout. Tu donnes tout mon compte, je te donne ça. Ah, même s'il veut rester seul, sans rien manger, mais que toi, tu sois à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, là, maman. Merci. Bien, chérie. Merci, moi aussi je t'aime, bébé. Baby, je peux pas être pour le deuxième rang. Ah, tu parles quoi de deuxième rang? Même s'il faut que je vienne habiter ici, on va faire tous les jours. Waouh! On va faire ça. On va bien faire. Qu'est-ce que tu fais là? Maman, elle prend de l'air. Il fait chaud jusqu'à. Elle va aller ici là pour prendre un peu d'air. Hein? Tu parles de chaleur. Quand tu sors d'où? Ah, je suis tout dans mes marches. Je voulais même te voir. Assois-toi. Il fait trop chaud dans la maison là-bas. Assois-toi même là-bas, non? Ouais, ton blanc là aussi. Ah, yeah. Oh. Mmh. Comme je disais, donc Michel, j'ai un gars. Un de mes gars qui m'a promis 200 000, tu vois. Bon, si je cherchais à te rencontrer, c'est pour qu'on trouve... En fait, pourquoi je me donne les idées. ce qu'il peut faire avec. J'ai envie d'investir, je ne veux plus rester comme ça. C'est une très bonne idée. Mais avant que je ne te propose quelque chose, qu'est-ce que toi-même tu aimerais vraiment faire? Parce qu'il ne faudrait pas que je te propose quelque chose et après ça ne marche pas, tu commences à dire oh, on t'avait très mal orienté. Toi-même tu comptes faire quoi? C'est vrai qu'avant de venir te voir, j'ai réfléchi, tu vois, mais j'ai envie de faire un truc comme Mama Choco là. Je veux m'installer là-bas. Là, tu vois, la place là, c'est une bonne place. Les gens passent, je veux faire comme elle. C'est une bonne idée de faire dans le cafétéria. Mais là, à t'installer à côté, aller t'installer à côté de Mama Choco, vraiment, moi, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Franchement, moi, je ne suis pas d'avis avec toi. Moi, je pense que tu pouvais même aller au marché. Tu vois, au marché, là, il y a l'affluence et tout. Et les gens, ça passe quoi, ça passe. Moi, je préfère que toi, tu ailles là-bas que de t'installer là et chercher les problèmes. Franchement. Et demande à Michel, qu'est-ce que la femme là a plutôt donné? Pour que chaque fois que je vais faire un petit truc, tu viens toujours te poser. C'est quoi, Michel? C'est quoi? Je ne suis pas ta soeur. Tu n'es pas censé me soutenir, Michel. De toi à moi, toi tu penses que c'est une bonne idée d'aller t'installer à côté de Mama Choco? Elle me sert à quoi? Il y a les places ici à toi là où il y a au moins 5 bars, 6 bars. Personne ne demande rien à l'autre, donc je vais m'installer là. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Ah. Michel, le marché est loin. Ici, là, c'est à côté. Je ne veux pas payer le transport, porter les choses, rentrer avec les choses tous les jours. Je vais m'installer là-bas, Michel. Je n'ai pas contente, c'est ton problème. Chaque fois que je viens ici, il faut que tu me sortes les choses qui n'ont pas de sens. Tu es ma soeur, tu n'es pas ma soeur. C'est quoi? Je ne sais pas pourquoi tu es venu me demander conseil. Toi, tu avais déjà tes idées derrière la tête. Il ne fallait pas venir me voir. Et c'est la dernière fois, la prochaine fois. Tu gères tes problèmes, tu gères tes conseils pour toi seul là-bas. C'est la dernière fois. En tout cas, moi je pars. Ça t'engage là-bas, c'est pour toi. Moi, je ne suis pas moi dedans. Dis donc, je n'ai jamais vu un enfant têtu comme Akamba. Tous les jours, on te conseille, on te parle, tu ne comprends pas. Va chercher les problèmes, ça t'engage. Merde. Mama Choco. Ouais, papi. Bonjour, maman. Tu es déjà là? Je suis là. Merci. Merde, c'est dur, hein? Allez, c'est bon. Tu es belle aujourd'hui, Maniaka. Ouais, oui. Maman, merci. Je vais faire comment? Ok, maman, merci beaucoup. Ok, bon marché. Hein? Merci à toi. À demain. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui, la nommée Mama Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait. Les menaces passent par là. Elle met la Mama Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école, pour survivre dans la vie. Chose promise, chose faite. Directement.